Prenez les photos si vous voulez avant. C'est mon dernier jour de gloire, donc allez-y. Profitez-en. Très bien. Bien. Tout le monde étant là, on va pouvoir, si vous voulez, vous asseoir. Il n'y en a pas pour longtemps. Nous devons accueillir le ministre. Je ne voudrais pas gâcher son voyage. Hein? Ah oui, c'est, j'ai une contrainte horaire. Tu sais quelle heure? 10h, non? Il faut qu'il soit normalement à 9h, à 10h moins 10. Bon, faut que je parte dans une demi-heure. Donc on y va. Allez. Bien. Alors vous éteignez le téléphone. Merci. Bon. Bien. D'abord, merci à tous d'être là ce matin. Je ne suis pas sûr d'avoir eu, au cours de ces 12 années, autant de presse autour de moi. Merci à ceux qui ont respecté mon silence. Pour les autres, ils sont seuls responsables de ce qu'ils disent. Je les salue aussi, bien entendu, mais je voulais que cette déclaration soit empreinte d'un peu de dignité, bien sûr, d'émotion aussi. Vous l'imaginez. Et je pense que la politique mérite trois vertus. Si tant est qu'on peut en avoir, hein, la lucidité, l'éthique et le courage. Lucide sur une situation, sur un état des lieux politiques. Éthique parce que la politique sans éthique, c'est de la cosmétique, du cosmétique. Et puis courageux parce que même quand on pourrait être en situation... prendre une décision qui risque de créer de la déception, même parfois au contraire, honnêtement, des envies, mais c'est un peu difficile aussi, et j'ai voulu donner un peu de solennité à cette décision, d'abord pour montrer que c'est une décision libre, je le redirai, mais aussi qu'elle est faite pour préparer l'avenir. Elle est faite pour permettre force, camp auquel j'appartiens, de se mettre en ordre de bataille pour aller à cette élection difficile, mais importante. Surtout avec les régions de maintenant, avec la grande région de maintenant. Donc je souhaitais donner le temps nécessaire, et ça fait 6 mois. Hein. Tout le monde a beaucoup été pressé. Quel empressement, alors que je me souviens quand même qu'en 2004, nous avions commencé cette campagne 3 mois et demi avant, même en janvier. La candidature, on avait faite 5 mois avant, et qu'en... On a commencé la campagne en 2010, en février, mi-janvier. Bon, j'entends bien qu'il faut de l'actualité quotidienne, mais j'ai essayé de prendre le temps nécessaire, celui du calendrier, celui de la réflexion d'abord, personnelle. Je vous avais dit à tous que j'avais le choix entre la passion et la raison. Ce choix, je l'ai eu jusqu'à ce week-end. Et c'est après avoir rencontré le chef de l'État... samedi, que j'ai pris cette décision que je vous donne maintenant. Alors, d'abord, ne vous réjouissez pas trop vite. Je ne prends pas ma retraite, je prends de la hauteur. Différent, je prends de la hauteur. Le temps est toujours le temps. Le lieu est toujours le lieu. Et ce qui est réel ne l'est que pour un temps. Ne prenez pas que ce soit de la poésie. Et ne l'est que pour un lieu. Il faut saisir la mesure. Je change de rôle. Je ne change pas de vie et je ne change pas d'action. L'action politique n'est pas qu'une affaire de mandat, elle est un mouvement continu vers l'avant que nous devons accompagner. 12 ans de présidence à la région. C'est rare, ça n'a jamais été fait. 12 ans, puisqu'on atteindra la 12e année au mois de mars prochain, donc il manquera 3 mois pour 12 ans. C'est rare, c'est bien. À l'heure où les Français... souhaite des changements, et surtout parfois souvent même des changements de tête. Hein. Il faut savoir, et je souhaite, pouvoir ouvrir la porte au renouvellement. Beaucoup, et mes amis sont avec moi aujourd'hui, beaucoup m'incitaient à poursuivre. Je les en remercie, et j'y trouve une reconnaissance du travail accompli avec mon équipe. Et là, déjà un seul mot, mais un grand merci à tous les élus qui m'ont soutenu sans faille, pendant ces 12 ans. À tous les militants et à tous ceux qui nous ont aidés à gagner les élections. Et puis à tous les services de la région. Parce que vraiment,
J'ai eu des services à la région sur lesquels j'ai pu compter, avec qui j'ai pu travailler et avec qui nous avons pu mener ensemble les actions ambitieuses que nous avons menées. Je pense que ce travail laissera des traces qui seront mieux que des preuves, des repères pour l'avenir. Je connais les échecs, mais on essaiera quand même pendant les 6 mois de montrer ce que nous avons fait. Je ne le dis pas tout de suite, je dirai à l'avenir, on le fera, mais quand je pense à ce que nous avons fait en matière scolaire, de formation, d'innovation, d'économie, de transition énergétique, de santé, hein, eh bien, et d'autres, je pense qu'on pourra tirer ce bilan. Ce bilan, il aboutit à une décision qui est libre, d'autant plus difficile d'ailleurs qu'elle est libre. En quittant la présidence de la région à la fin de cette année, au 1er janvier, je n'ai aucun remords. Des regrets, oui, qui n'en auraient pas. Je pense avoir, avec mes amis, impulsé cette unification des deux sœurs bourguignonnes qui étaient séparées par l'arbitraire de l'histoire. Cela m'apparaissait une évidence. Tant réunies, nos deux régions pourront prétendre à garder prise sur l'avenir, tant divisées, elles entreront dans une spirale de déclin. Unies, elles réussiront, divisées, elles déclineront. Leur position géographique, leur équilibre rare dans un monde urbain dynamique et un monde rural si riche, ses savoir-faire et ses ressources, avec la rigueur d'un Carnot, l'imagination d'un sociétaire, d'un Fourier, les rêves d'un Proudhon, le génie d'un Vauban, l'exigence démocratique et sociale d'un considérant, l'innovation d'un Eiffel, le génie d'un Pasteur. Tout le terreau fécond est là pour nourrir un projet d'un futur recomposé. Placer la Bourgogne-Franche-Comté sous le vent de l'histoire, ce n'est pas une métaphore éolienne. Le cap est fermement fixé. À une équipe rajeunie et ouverte d'en nourrir le propos. René Char disait, notre héritage, vous savez, mon prédécesseur, il citait souvent René Char, hein, il citait toujours, certes, ton destin, ils te reconnaîtront. Moi, j'ai relu René Char ce week-end, il dit, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Il ne m'appartient pas de faire écran aux nécessaires évolutions. Et puisque j'en suis à René Char, je voudrais suivre sur une citation, on ne peut se retirer de la vie des autres et s'y laisser soi. Il y a un proverbe chinois que j'aime bien et que je voudrais partager avec vous. Il y a un temps pour pêcher, il y a un temps pour sécher les filets et aussi pour les préparer et repréparer la pêche. Le Sénat a été créé comme une chambre de réflexion, un temps d'approfondissement, de débat, un lieu d'écho des collectivités territoriales. Je siégerai au Sénat avec la Bourgogne-Franche-Comté au cœur. J'y défendrai les grands dossiers de notre belle région. Notamment, je souhaite dans le même temps, non pas d'abord poursuivre la vie politique, avec l'âpreté nécessaire, mais aussi avec l'idée de travailler autour de vrais sujets, de grands sujets. Poursuivre mon action dans le domaine de la santé, par exemple, de la lutte contre le cancéropole, contre le cancer, pardon, je préside le cancéropole. J'aimerais m'impliquer avec mes amis, et donc par là même essayer de m'impliquer dans les dossiers santé, tellement nécessaires à nos territoires. M'occuper de la transition énergétique, et bien entendu participer, mais à ma place, à nouveau au développement économique de la Bourgogne. J'ai pris cette décision pour des raisons éthiques, politiques et personnelles. Éthique parce que même si j'ai défendu le double mandat, j'ai toujours été partisan de deux mandats, je dois faire avec le fait que dans un an, dans 15 mois, le non-cumul s'appliquera. Pourquoi partir à une élection en promettant aux électeurs monts et merveilles alors qu'on sait très bien que 12 mois après, il faudra choisir. Éthique parce que je pense qu'en politique, au-delà, j'aimais bien la formule de Jospin, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dira, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas faire le mandat de trop, qu'il fallait sortir par le haut, et non pas se laisser imposer, comme certains, je l'ai vu. Je préfère aujourd'hui être en situation, et croyez que j'ai un petit peu de plaisir, beaucoup de plaisir, à savoir que
J'aurais pu encore être candidat et que beaucoup m'auraient soutenu. Mais je sais qu'en prenant la décision aujourd'hui, je vais faire de la peine à certains. Je sais que je vais décevoir d'autres. Mais je sais aussi que ceux qui m'aiment bien, ceux qui m'apprécient, comprendront ce choix, même s'il leur paraît pour eux difficile, compte tenu de l'âpreté du combat qui nous attend. La deuxième raison, elle est politique. Elle est politique. Pour partir à cette élection, je crois que la gauche devra être unie. Je ne suis pas convaincu, à titre personnel, d'être celui qui pourrait réunir aujourd'hui les forces de gauche. D'autres sont mieux placés que moi pour réunir les trois composantes de la majorité plurielle. Elles le feront sans doute avec détermination eux aussi. Et puis, politique, parce que la tâche qui nous attend, au-delà de cette période électorale qui va être prenante, âpre, difficile, qui va être une période de combat. Au-delà de cela, il y a l'immense travail de la réunification et du nouveau rôle des régions. Nous allons terminer au Sénat l'examen de la loi NOTRe. Les compétences des régions vont être formidablement renforcées. Et j'y ai participé. Parce que je crois à la réalité et à l'avenir de la région dans la répartition des étages territoriaux dans notre pays. Ça veut dire qu'il faudra se battre. Et là, je me battrai pour aider la région parce que donner des compétences nouvelles aux régions sans en assurer aujourd'hui les moyens financiers, c'est le combat du futur budget. C'est le futur de la prochaine loi de finances. Là, devenant leader dans le domaine économique, peut-être même dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, vous imaginez les moyens humains et nécessaires que cela va se nécessiter. Il y a 500 chantiers en attente. Il va falloir réunir les personnel, il va falloir réunir les politiques, il va falloir les... Aujourd'hui, elles sont différentes. Il va falloir demain trouver les financements dans une période de finances aussi où les économies sont la règle. Troisième raison, elle est personnelle. Vous comprenez que la dernière élection en 2010, j'étais le doyen d'âge de cette assemblée. Ça m'avait déjà un peu marqué. Ça ne vous a pas échappé. Maintenant, je pense que il faut savoir, je vous l'ai dit, prendre un peu de hauteur, être lucide et considérer que après 40 ans, et il me reste encore, c'est au bout 5 ans au Sénat, 40 ans de vie politique, qu'il est nécessaire de faire la place et d'accompagner et de passer, même s'il ne s'agit pas, je l'ai dit tout à l'heure, d'un testament, d'accompagner les nouvelles équipes. Donc je vais m'engager dans ce combat en disant personnel aussi, parce que faire une campagne sur 8 départements pendant les 4 mois qui viennent. Ensuite, occuper département, vous savez, j'ai pendant ces 10 ans fait 100, 120 000 km par an chaque année à travers la région de Bourgogne. J'en connais tous les recoins, j'en connais beaucoup de lieux. Je connais aussi tellement de gens avec qui j'ai lié des liens de sympathie, d'amitié. Donc, je pense que ça va être aussi ça au moment où on va devoir au Sénat s'impliquer beaucoup. Vous savez qu'on devrait devoir 3 jours par semaine au Sénat maintenant. Donc, faire 3 jours par semaine au Sénat, 4 jours à la région, je ne suis pas sûr que mes forces de jeune homme politique puissent encore me le permettre, même si j'ai confiance encore en mes talents sportifs. Mais je crois que je vais l'essayer. Donc, c'est personnel aussi. Puis personnel, parce que j'ai toujours pensé qu'en politique, il fallait avoir un peu de courage. Et que ça m'a demandé du courage de prendre cette décision aujourd'hui, et je la prends. J'espère que la Bourgogne-Franche-Comté réalisera les vœux que nous avons faits pour elle en la construisant. Je souhaite, et je le dis ici, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'organisation des territoires, qu'il ne peut pas y avoir d'injustice, ni d'équité, ni d'iniquité, ni d'inégalité, et que les services doivent être répartis sur nos deux territoires, qu'il n'y ait pas de migration humaine exigeante ou des services. Mais je pense, et je le dis ici, que la logique doit être respectée comme elle l'est dans d'autres territoires aujourd'hui, que Dijon doit être la capitale régionale, et Dijon doit même être, à mon avis, le siège de la région. Mais je pense que les services, il faudra territorialiser, il faudra en aucun cas, je le dis ici, que Besançon perde, c'est-à-dire la noblesse humaine, la noblesse de sa position, mais aussi la richesse humaine qu'elle détient aujourd'hui. Nous ferons en sorte, avec les services de l'État,
pour qu'il en soit ainsi. Voilà. C'est pas ainsi soit-il, hein. C'est ainsi qu'il en soit, donc c'est ainsi. Merci à tous. Il nous reste quelques instants. Si vous voulez bien poser quelques questions, j'y répondrai. Mais je pense avoir dit l'essentiel. Merci d'être venu, parce que, après tout, quelqu'un parmi vous m'avait dit, mais vous n'allez pas faire une réunion pour dire que vous n'y allez pas. Vous allez faire une réunion pour dire que vous y allez. Gentil de me l'avoir dit. Merci à ceux, merci qui vous respectent et tout. Bon, j'ai quand même voulu, prenant une décision qui m'est douloureuse et courageuse, lui donner un petit peu cette solennité ce matin, parce que d'abord je suis ému. Il y a aussi une part de tristesse qui ne vous échappe pas aujourd'hui, mais il y a aussi une part d'ambition, j'allais dire de fierté du travail accompli, et puis d'espoir dans l'avenir. Je me tourne maintenant vers les nouveaux chantiers dans lesquels je vais m'impliquer totalement. Je ne prends pas ma retraite, je prends de la hauteur et je reste un animal politique tel que vous l'avez connu. Merci. Merci. Pierre, merci à tous. Alors, une question. Pour l'instant, il y a une procédure. Hein. Il y a une procédure qui est en route. Il y a une candidate qui est déclarée, avec qui je travaille bien depuis. Vous savez que quand j'ai lancé le processus de la réunification, c'était au mois de janvier. C'était au mois de janvier 2014, bien avant même que le président en parle ou que le Premier ministre en parle. Et j'avais dit, j'avais lancé l'idée, et j'en avais averti Marie-Guide Dufay. C'est-à-dire qu'elle a très vite pris le pas en mesurant pour elle les difficultés que ça allait lui causer, hein, puisqu'on connaît bien l'état d'esprit, certaines réticences qui s'expriment en Franche-Comté, qui sont en passe d'être dépassées maintenant. Mais elle est candidate aujourd'hui. Si elle est candidate et qu'elle est désignée, elle aura tout mon soutien, bien entendu. Elle aura le soutien si elle est désignée par le moment. J'ai cru comprendre que c'était le choix des hautes autorités de l'État, et des femmes, les sortantes, là aussi, accompli un travail remarquable, aura mon soutien, dans les conditions que j'ai expliquées. À ce moment-là, c'est un choix de l'État ? Non, pas du tout, non, mon choix, il est libre. Non, mais j'ai consulté, j'ai dit samedi soir au chef d'État quelle est ma position, on en a convenu ensemble, que d'abord, il la respectait, et qu'ensuite... Le fait d'ouvrir la possibilité à une autre femme que d'autres candidates de le faire, c'était aussi la marque du parti de pouvoir accompagner aujourd'hui les femmes dans ces combats. Voilà. Cher ami, vous parlez ces derniers temps. J'ai pas fait de contre-pétrie. Hein. C'est un sondage qui avait été commandé par le Parti Socialiste. Est-ce que les résultats de ce sondage, à la fois en notoriété et peut-être en projection électorale, ont joué sur votre décision? Ce que je peux dire, c'est que le sondage qui appartient au Parti Socialiste, que je n'ai jamais eu écrit d'ailleurs, hein, pour m'a donné les éléments, ne change en rien la donne. En ce sens que peut-être aurait-il pu influer s'il avait marqué profondément que j'étais à recours. Il ne le donne pas comme tel. Donc dans ces conditions, il me libère de toutes mes angoisses. Vous ne serez pas du tout candidat, même pour en soutien de la liste Je serai candidat à soutenir la liste, mais pas candidat sur la liste. Non. Non, je ne serai pas sur la liste. Non. Et qui doit être le leader pour la Bourgogne? Parce qu'il y aura quand même Il ne pourra pas y avoir de tête. D'abord, je ne connais pas, alors qu'il est les têtes de liste dans les départements de la Bourgogne. Donc, parmi eux, peut-être un d'eux s'imposera-t-il comme celui, mais là, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui était de liste à la Nièvre, je ne sais pas qui était de liste en Saône-et-Loire, je ne sais pas, peut-être tu le sais, toi, je ne sais pas. Mais non, donc, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir deux chefs. Hein, quand il y a une tête de liste. Est-ce qu'on l'a fait par le passé? Non. Il y aura un directeur de campagne. Par le passé, c'était différent. Qu'est-ce qu'il y avait comme sous-chef? Il y a deux régions.
Non, qui mais s'éunissent et voilà. Qui, de façon physique, mais on va pas continuer le dualisme tout le temps. Il faudra qu'il y ait un équilibre. Il y a un équilibre sur le plan des sièges. Il y a un équilibre démographique qui est respecté. Il y aura une candidate ou un candidat, et puis il y aura un directeur de campagne. Peut-être, je pense qu'il peut être dans les territoires. J'espère, peut-être. Je pense. Voilà. Je vais te demander. Qui d'autre personne ? Ça va ? Bon. Je n'ai pas été trop lyrique, ça va quand même. J'ai voulu que mes phrases soient. Pas mal quand même. Hein. Merci à tous.